Bonsoir et bienvenue pour nos bulletins sport. Nous commençons bulletin avec football de cadre qualification pour la Coupe mondiale CAF. C'est celle pour en action tantôt contre Kenya. Sa match pour jouer 11h du soir, la CCL en Abidjan, Côte d'Ivoire, le stade Félix Houphouët-Boigny. Nous vous rappelons, CCL a perdu son match contre Ben Ivoirien 9-0 vendredi passé. Sinon, match local demain. Ça y est, match League One plutôt, entre Mouchia et Belaza. Ça match pour commencer à 6h et il pour gagner jouer le stade populaire. Et un petit mot aussi, le bon match CAF qui nous joue aujourd'hui. En effet, il y a Guinée-Bissau qui a fait victoire 1-0 le Djibouti. Après, il y a un bon match qui peut jouer là qui a commencé 8h. Côte d'Ivoire puis battre la Gambie 1-0. Il y a un Guinée-Équatorial aussi qui peut jouer contre Libéria. Il peut battre 1-0. Madagascar peut jouer tantôt contre Tchad. Il peut jouer même avec Cécile. Ça est 11h du soir. Après, il y a un match entre Mali et République centrale l'Afrique. Ça match aussi pour jouer 11h du soir. Karting à présent, et que c'est sur karting qui a terminé, c'est l'association qui fait une cérémonie prize giving pour récompenser bon driver. Sa cérémonie qui fait week-end passé de présence bon driver, aussi bien que PS pour la Zenith Export, Ralph Jean-Louis, et plusieurs bons sponsors tels que S. Charles ou de Valrich Zis pour nom de toi. Tiko Tristo Antiliba, qui l'association karting qui récompense son bon driver pour une bonne performance pendant l'année 2023. Pour bon cadet, ça y bon driver, l'âge 10 ans à 12 ans, qui inclut fille et que garçon, c'est Loïc Raoul qui termine de 3e position avec 80 points. Vice-champion pour bon cadet, Charles Poumaya Moline, qui lit termine la saison avec 88 points. Et champion pour bon cadet, Charles pour Joshua Cross Crew. Pour Bana Junior, c'est Adam Ali qui finit comme un champion de sa classe avec 146 points, par devant l'exerce Li Ching Chung et Rudolf Camille. This year wasn't easy. I came second most of the time, but then I started improving a bit too. When the year was ending, I started coming first. I came first for the mid-season race in the super finals. Yes. Okay. What's your target for next year? My target for next year is to come first whole season and improve more on my points and I get more trophies in the future. Yes. Tandis que dans l'intermédiaire classé, pour un driver qui est en 16 ans et plus, Daryl Gabriel il finit de 3e position, vice-champion qui a la pour des Royal Lyonnais. C'est Enzo Lyonnais qui termine comme champion pour sa catégorie. Mon performance pas si mal pendant l'année. And the ups and downs, mais oui, mais c'est mon cas à faire. Pour l'année prochaine, qui va y avoir target là? L'année prochaine, mon petit target pour rester à bord, moi avec mon frère. Mais oui, que de fin dernière l'année, c'est là pour mon parler à bord. Intermédiaire classe A, qui inclut plus Benadil, Christian Bastien, il termine comme champion, par Yvan Deninson Mélanie et Carlos Cate. Ça l'année qui passe, il y a un bel année plus gros que mon expérience de karting à cause infini le dernier round pour nous car on est les champions. So, c'est bataille depuis commencement jusqu'à finish. À cause pas, moi tout le temps dis ça qui karting, il y a marathon, il y a pas sprint, so il prend, il y a champion là pour nous car on est qui finit premier à la fin de l'année. The Masters classe SF1. Qui inclut Diver, qui en a d'autres pour 4, 125 CC et qui a 18 ans et plus. Marc Delcy, il finit de 3e position. Vice son pion, Charles pour Lisa René Cross Crow et son pion, Tideva René. Ça l'association qui aussi présente un certificat et bon Diver qui n'a complété l'entraînement et passe à l'examen pour être qualifié pour venir un Diver karting.
Quand est le temps COVID qui finit, nous relaunchons l'académie en 2022 et nous avons une cohorte maman, 13 maman qui a fait le premier l'année qui est Paris et qui nous a nous continuons à découvrir le talent et montrer qu'ils sont ces loyers, beaucoup de talent et nous comme association nous inspirer pour nous voir et façon pour nous donner à ma maman l'opportunité pour choquer ces l'emploi international et c'est même ça que nous commençons la conversation pour nous voir les affiliations qui nous capables prendre le bon talent et amener plus loin. Alors nous dire félicitations tout bon gagnant. C'est ça qui amène nous la fébilité pour ça lundi 20 novembre. Merci pour suivre. Bonsoir.